choisir d'habiter la confiance, aimer, se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer, se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Trouvez dans ma vie ta présence, Seigneur. Aide-moi à garder ma lampe allumée pour t'accueillir, pour te recevoir. Reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, les versets 12 et suivants. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude, par la faute d'un seul homme, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref,
De même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste par la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Ensemble, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Ensemble, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice de la grande assemblée. Moi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Ensemble, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Levez-vous pour l'acclamation à l'Évangile. Bravo pour parole, mon Dieu. Bravo pour Jésus-Christ. Bravo pour parole réveillante. Parole qui baille la vie. Alléluia, alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Bravo pour la volonté. Bravo. Bye.
les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Non, tant longtemps, dans l'époque côté que Jésus t'a vive, il y a une activité qui était qu'on fait mounio que rentrer tard. La caillou, c'était noce. Généralement, les gens participaient dans noce. Dans cela, ils fait toute nuit là pratiquement à festoyer avec que content. Et puis après, ça arrivait dans mi-temps nuit là, eh bien, ils rentraient la caillou. Mais les gens passaient tout le temps à boire du vin, à blaguer. Mais passer temps, ils ont temps vraiment et que content. Et puis bien tard, ils rentraient. Même gens nous connaissons dans la réalité, nous-mêmes haïtiens, ce qui compte fait nous rentrer très tard des fois, c'est de nos jours. C'est bal, c'est les mounal nan veille, yon moun ki mouri. Donc ça compte fait qu'en pile fois, nous rentrer très tard. Et même là encore, ça s'est débagaillé longtemps. Parce que bagaille ça encore, surtout dans la capitale là, peut-être dans la province, en dehors, ok. Avec insécurité, nous connaissons que moun baka macheta. Nous entendons que vous dites que vous êtes capable de rentrer là vers minuit ou bien vers 3 heures. Pour que les gens qui sont aussi fous en Haïti, vous arrêtez pour le prince, pour participer à un bal, pour participer à une veille, et puis pour aller entrer la caillou à minuit ou bien à 3 heures. Vous n'avez presque pas besoin de la vie. Parce que dans le pays, ça, vous pouvez le faire 6 heures, vous pouvez le faire 5 heures, 6 heures, 7 heures. Donc c'est la dernière limite pour entrer. C'est la dernière limite nous, pour nous pour entrer. On dit que la caillou est extrêmement difficile. Et bien entendu, Jésus, nous avons entré très tard, minuit, 2h, 3h du matin, les gens ont été à festoyer. Mais l'Esprit de l'Évangile a fait nous comprendre que Jésus a fait éloge, serviteur, ça y est, qui était après tant de mètres là à n'importe qui l'heure que lui rentrait, ou bien à n'importe qui l'heure que lui va rentrer là, pour que serviteur soit capable de l'ouvrir pour mettre là. Serviteur là était en tenue de service, l'a veillé. Serviteur là, c'est ça là pour le faire. C'est travail li. C'est rester à veiller pour capable ouvrir porte là pour mettre la rentrée. Mettre la pour apparaître et puis pour serviteur là lui-même abdormi pour mettre l'arrêté dehors. Donc mettre la faire louange pour serviteur ça yo qui campait ou bien qui était à veiller avec une lampe dans main yo et dès que mettre l'arrivé il frappait pour que mettre la capable rentrer sans problème, sans embâche, sans embûche, sans difficulté pour lui rentrer normalement la caille. Donc bravo à serviteur sa yo. Et mes serviteurs sa yo, frères et sœurs, c'est moi-même, c'est vous-même, que bon Dieu m'a demandé pour nous rester en état de service, en tenue de service, pour nous pas jamais quitter yon ti kabich après nous, parce que l'avenir à n'importe qui le. Ce qui est essentiel, c'est que nous connaissons l'avenir quand même. Est-ce que nous connaissons à qui le? On ne sait pas. Par contre, qui joue, par contre, qui le? Par contre, dans quel moment que l'avenir? Mais ça qui est essentiel pour moi, ça qui est essentiel pour vous, c'est toujours été à temps de mettre là, c'est été en état de service. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est comment mettre là à venir. C'est qui, Jean? C'est par quelle manière, qui façon mettre là à venir. Mettre là à venir, les venir, c'est chaque jour dans la vie, non? Les venir chaque jour à travers frère, nous, à travers soeur, nous. Donc, c'est le Christ qui vient, qui est mandé à ta porte. C'est le Christ qui vient pénétrer ta vie, dans ta vie. Lorsque, à travers frère ou sœur qui n'a problème et qui ou même ou aider, à travers un frère ou bien une sœur qui n'a grande difficulté et que c'est ou même bon Dieu mettez sur route lui. Donc leur fait un service, leur rend un service, leur font bien pour yo ou fait pour bon Dieu directement. Et c'est leur accueillir, c'est bon Dieu même que vous accueillez. Donc Dieu vient dans tout homme, dans chaque homme. Donc Dieu vient à travers votre prochain. Et bon Dieu a demandé nous pour nous accueillir dans quel que soit le moment le venir, dans quel que soit le venir dans la vie. Non. Bon Dieu a demandé nous pour nous accueillir à travers sa parole. Il vient à travers sa parole. Dès que nous venons dans la messe, pour que nous capables ensemble de célébrer l'Eucharistie, nous venons écouter la parole, mon Dieu. Donc Dieu vient vers vous. Donc il faut que nous soyons capables d'ouvrir que nous, pour nous capables tendre, pour nous capables d'accueillir. Il faut que nous toujours été en état de service. Dieu vient dans l'Eucharistie lorsque Dieu nous offre son corps, son sang. Donc, il vient vers nous. C'est à nous de l'accueillir. Dieu vient également dans les événements de notre vie.
Chaque fois qu'on événement qui arrive dans la vie, frère et sœur, les événements sont parlants. C'est nous-mêmes en fait fois qui pas comprendre que ça bon Dieu dit nous dans événement qui arrive nous dans la vie nous. Mais chaque sacrifice nous dans la vie nous, bon Dieu a parlé avec nous. Par exemple, les nouveaux événements qui arrivent, soit que nous t'es capable gagner 11 amis nous qui t'est entré la caille nous qui t'est dans la vie nous. Mes amis, ça n'est pas là encore. Donc Dieu te parle à travers cette situation, à travers cet événement qui arrive dans ta vie. Lorsque les amis qui étaient avec vous, qui étaient pour vous, les amis n'ont pas là encore. Les amis n'ont pas là encore. On n'a pas fait rien pour ça. Ça qui est important, c'est bon Dieu. Donc les amis, ça qui était dans la vie, ou là, qui n'est pas là encore. Donc Dieu te parle à travers cette amitié, à travers cet ami qui n'est plus. Dieu te parle à travers cet événement qui t'arrive aujourd'hui dans ta vie. Il faut comprendre que, eh bien, ça qui est important dans la vie, là, c'est lui-même. Les amis capables avec vous, je vous dis, mais demain, pas avec vous. Les amis capables pour vous, mais demain, pas avec vous. Les amis capables de défendre vous, je vous dis, mais le pari est fidèle. Il n'est pas avec vous, je vous dis. Qui est-ce qui est fidèle? Seul le Christ. Qui est-ce qui peut me laguer sauf bon Dieu? Donc, l'autre est monde qui est dans la vie, les amis, les mari, les madame, les membres de la famille, les membres quelconque qui est dans la vie, qui parle là encore. Ou pas qui pour tracasser tête tout. Ou pas pour battre tout problème. Il était là où tu dis le bienvenu. Il n'est pas là où tu dis là, il n'y a pas de problème. Mais ça qui est important dans la vie, c'est bon Dieu. C'est les mêmes pour battre pour ne pas jamais quitter sorti dans la vie. D'ailleurs, Dieu ne sort jamais dans notre vie. C'est nous-mêmes, en pile fois, qui mettons le haut. Et bien, c'est les mêmes pour nous mettre plus accent sur lui. C'est les mêmes pour nous mettre plus considération. Parce que les mêmes, une fois que lui l'a gagné, ou bien une fois que nous détachons avec lui, nous perdons toute bagaille. Donc, Dieu te parle. Dieu te parle à travers chaque événement qui t'arrive dans ta vie, ou t'es non au travail, ou pas dans le travail là encore, y'a révoqué, ou bien y'a fait mentir sur vous, y'a pas là encore, y'a fait complot, y'a mettre au dehors. Donc Dieu te parle à travers cet événement. Allez comprendre qui ça, bon Dieu, veut dire, ou les telles situations arrivées, ou allez comprendre qui ça, bon Dieu, dit, ou les telles situations, mais prend place dans la vie, ou. Donc, bon Dieu, gon leçon, la faut apprendre. Bon Dieu, gon message, il les fait passer. C'est à toi de comprendre, c'est à toi de l'accueillir. Dieu vient dans tes joies, Dieu vient dans ta peine, les cœurs contents. Donc Dieu vient dans la vie et bon Dieu a parlé. Pour le jour, il est le maître des événements. C'est lui qui donne la joie. Les bagailles m'arrivent autour, dans tes peines, dans tes soucis. Donc Dieu est là, Dieu vient, il arrive. Il prend le jour, restez fidèle. Il prend le jour, sois confiante ma fille. Même si tel événement arrive dans la vie, donc pas peur, parce que je suis là. Ou pas gagner pour virer de Bali. Ou pas gagner pour quitter le pour aller dans l'autre Dieu. Non, il est là, il sera toujours là. Il n'est pas bon Dieu, les bagailles bon seulement. Il c'est bon Dieu, tous les bagailles pas bon dans la vie. C'est à toi de comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ma joie ou à travers mes tristesses, à travers les événements de ma vie. On demande bon Dieu la grâce pour que nous soyons capables vraiment toujours qu'il met dans l'humain. Pour que nous soyons capables toujours rester en état de service et comprendre ses messages et sa parole à chaque fois qu'il nous parle, à chaque fois qu'il arrive dans notre vie, à travers nos peines et nos joies, à travers les événements, à travers sa parole, à travers l'Eucharistie, à travers tout homme, à travers donc notre prochain. Donc, demandons à Dieu cette sagesse, cette grâce de pouvoir le comprendre, de comprendre tous les jours et chaque jour dans les moindres détails de notre vie. Amen. Marie, Mère de Dieu, monde, vers toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour Notre-Dame du Rosaire. Priez pour Notre-Dame du Rosaire qui nous demandait de réciter beaucoup de chapelets. Priez pour Notre-Dame du Rosaire qui nous demandait de nous corriger.
Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui nous suppliait de nous repentir de nos péchés. Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui nous suppliait de ne plus offenser notre Seigneur. Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui nous demandait de prier pour sauver les pécheurs. Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui nous demandait de nous sacrifier pour sauver les pécheurs. Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui nous demandait de réparer pour les péchés commis contre votre cœur immaculé. Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui voulait amener tous vos enfants au ciel. Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui nous demandait de nous offrir à Dieu pour accepter toutes les souffrances qu'il enverra. Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui promettait d'être notre refuge et de ne jamais nous abandonner. Priez pour Notre Dame du Rosaire, qui nous promettait la paix. Priez pour nous. Notre Dame du Rosaire, qui nous avait promis le triomphe de votre cœur immaculé. Priez pour nous. Reine du Très-Saint Rosaire. Priez pour nous. Reine de la paix. Donne-nous la paix. Reine de la paix. Donne-nous la paix. Reine de la paix. Donne-nous la paix. Reine du clergé. Priez pour nous. Reine de la Sainte Église. Priez pour nous. Reine d'Haïti. Priez pour Haïti. Reine d'Haïti. Priez pour Haïti. Reine d'Haïti. Priez pour Haïti. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous devenions indignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, de bénéficier de la santé de l'âme et du corps. Par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivre-nous des tristesses du temps présent et conduis-nous au bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Marie, Reine de Dieu, monde. Thank you.
ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre. En te présentant ces dons, puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons, en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta grâce, ta bonté, Seigneur, que tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Estelle, Anne, Michel, Claudette, Elsie, Ulysse,
Antoine, Erwan, Doris, Jeff, Kervens, Lydia Alexandre, membre du groupe Les Servants et Servantes de la Vierge Altagrâce, Marie-Carmélite Millien, membre du groupe Les Amis de Notre-Dame d'Altagrâce, Marlène Mathieu, le révérend Père Jean Isma, Roselyne Lubin-René, Saint-Yves Kosogu, Novalus, Sarah Adolphe, Thérèse Desfrères, Marie-Claude Destina, Vilma Marlène, le révérend Père Jean Arthur Clergé, Rosaline Toussaint, membre comité de soutien de la paroisse, Charlie Moïse, junior Saget. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Oh, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En communion avec tous les évêques qui participent au synode à Rome, en communion en l'Église en prière, disons, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame du Rosaire, priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame du Rosaire, priez pour la conversion des pécheurs. Et qu'on y a la frère, monsieur, nous prenons un petit temps pour nous dire, nous avons mis nos yeux à célébrer l'anniversaire, un joyeux anniversaire de naissance. Bonne fête à Anne, Estelle Michel. Bonne fête à Claudette Cadet. Bonne fête à Elsie Cambon. Bonne fête à Elsie Ulysse. Bonne fête à Erwan Valmé, Floris Nadine. Bonne fête à Jeff Elix Lui-Mé. Bonne fête à Kervens Maurice. Bonne fête à Lydie Alexandre. Lydie, c'est membre groupe Les Servantes et Servantes de la Vierge Altagrâce. Bonne fête à Marie-Carmélite Millien. Marie-Carmélite, c'est membre groupe Les Amis de Notre-Dame d'Altagrâce. Bonne fête à Marlène Mathieu, Révérend Père Jean Isma, Roselyne Lubin René. Et bonne fête à Saint-Yves Kosogu, Sarah Adolphe, Thérèse des Frères, Marie-Claude Destina, bonne fête à Vilma Marlène, bonne fête au révérend Père Jean Arthur Clergé, bonne fête à Rosaline Toussaint. Rosaline, c'est membre du comité de soutien. Quelqu'un qui est très généreuse. C'est où non plus proche nous, qui est toujours là. Il n'est pas Jean, marchand de service pour quiconque. Très serviable. Très généreuse, donc son qualité que mon Dieu bali, son don que mon Dieu bali. C'est mon tout qui compte faire son ami. Donc bonne fête à Rosaline Toussaint. Bonne fête à Charlie Moïse Junior Saget. Ça va avancer devant l'hôtel là, pour que nous sommes capables de prier pour nous. C'est nous là. Nous avons demandé la Vierge Marie également pour intercéder en faveur de nous. Entre temps, nous avons chanté un petit chant pour nous capables de nous. Bonne fête. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, c'est pour moi. Posez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous qui y demeure toujours. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père, pareil. Merci. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ses chances pour servir tes grands maîtres la joignent à veiller. Ses
chance pour servir.